Tout de suite, Jean-Michel. Étonnant, non ? Silence ! Silence pour la France ! Nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Moi, c'est pareil, hein. Je suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Ah là là, ces insoumis sont infernaux. Donc, je ne suis pas sûr que, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent super bien. Étonnant, non ? François Hollande fait la une du magazine Cosette. Cosette, c'est un magazine féministe. Et regardez la photo, regardez la couleur de l'écharpe de François Hollande. Ce n'est pas une écharpe tricolore, c'est une écharpe LGBT, parce qu'il y a 10 ans, la France votait le mariage pour tous. Des couples de même sexe, deux hommes, deux femmes, pouvaient se marier. Et alors à l'époque, on l'a oublié, mais à l'époque, quel débat ! Et il y a des gens qui ont dit des bêtises à l'époque. Le cardinal de Lyon, monsieur Barbarin, écoutez-le, on a du mal à y croire. Ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Bon, il a disparu, le cardinal Barbarin. Franchement, on ne le regrette pas forcément. Marion Maréchal. Écoutez, Marion Maréchal, elle est toujours là, elle, par contre. Demain, évidemment, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour. Je pense notamment à la polygamie. La polygamie, oh là là. Et Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle disait, Marine Le Pen, il y a 10 ans? Ces lois sont des lois susceptibles de faire basculer notre civilisation, hein, les fondements même de notre civilisation. La civilisation risquait de basculer. 10 ans après, on en est où? Il n'y a plus que des larmes de crocodile. Premier crocodile, Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Hier, maire de Tourcoing, il a refusé de marier des groupes homosexuels. Mais alors aujourd'hui, dans La Voix du Nord, enfin c'était hier, il dit « Je me suis trompé ». Ben oui, vous êtes trompé, monsieur Darmanin. C'est dommage. Et l'un de ses collègues, Christophe Béchu, qui est ministre de l'Écologie, qui vient lui aussi des Républicains, il y a 10 ans, il signait un papier à Valeurs Actuelles, « La République fragilisée ». Rien de moins. Et aujourd'hui, monsieur Béchu, il dit quoi? Il était hier soir l'invité des 4... ou hier matin, pardon, l'invité des 4 vérités de France 2. J'ai voté contre ce texte. Si c'était à refaire aujourd'hui, je voterais oui. J'ai eu l'occasion au cours de ces dernières années de marier à leur demande de très nombreux couples de personnes de même sexe et de mesurer que par rapport au fantasme que ça allait bouleverser ou détruire une partie de la société, rien de tout ça n'est arrivé. Eh non, rien de tout ça n'est arrivé. Et si c'était à refaire, ben, vous ne pourrez pas le refaire, monsieur Béchu, puisque vous n'aviez rien compris à l'époque. Et alors, il y a aussi le tweet de Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, vous savez, il y a un an, elle a failli être nommée Premier ministre. Et puis, des amis d'Emmanuel Macron ont dit, mais vous vous souvenez de sa position sur le mariage pour tous, quand même? Elle était radicalement hostile, donc ça lui est passé sous le nez. Hier, Catherine Vautrin a fait un tweet. Et un tweet, en fait, on peut le lire d'une manière un peu curieuse. Donc, elle regrette de ne pas avoir voté le mariage pour tous il y a 10 ans. En ne votant pas le mariage pour tous, j'ai raté ce rendez-vous. Non, madame Vautrin, ce que vous avez raté, c'est Matignon. Mais ça, vous ne pouviez pas le savoir à l'époque. Vous parliez de Laurent Berger il y a un instant. Il y a justement donc la chronique d'un départ annoncé cette semaine. Mercredi, la une du journal Le Monde, spectaculaire. Regardez, Laurent Berger, qui est un peu la vedette de la période actuelle, quitte ses fonctions. Je ne suis pas indispensable à la CFDT. Non, ça c'est sûr, vous n'êtes pas indispensable, monsieur Berger, ni à la CFDT, ni sans doute ailleurs, parce que personne n'est indispensable nulle part. Va lui succéder Marie-Lise Léon, qui a 46 ans, on va apprendre à la connaître, comme on apprend à connaître Sophie Binet, qui dirige aujourd'hui la CGT, donc deux femmes à la tête des deux plus grandes organisations syndicales. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Laurent Berger? Parce qu'il est jeune, Laurent Berger, il n'a pas encore l'âge de la retraite, loin de là. Est-ce que vous allez faire de la politique, monsieur Berger? Réponse sur France Inter, jeudi matin. Vous ne quittez pas le syndicalisme pour entrer en politique, ni en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 2042. Ouais, j'aime bien comme vous le faites, parce que vous le faites avec humour. Non, évidemment non. Et en 2047, je ne crois pas non plus. Non plus. Non. D'accord. Il n'y a pas que les présidentielles, hein. Il y a les européennes, les sénatoriales, les municipales. C'est non, oui, à tout. Oui, c'est non à tout, ouais. Bon, on verra en 2027, si ça se trouve, on ressortira les archives. Hein. On verra bien. Et alors, est-ce qu'il a beaucoup d'amis, Laurent Berger? Alors, apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont félicité comme des amis, et notamment cette personne-là qui a dit « Oh, Berger, c'était un copain ». C'est quelqu'un sous différentes conditions avec qui moi j'ai toujours très bien travaillé. Ce n'est pas un désaccord sur un sujet qui vaut pour toute une relation. C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, oserais-je dire de l'amitié. Voilà, est-ce qu'elle est à sens unique l'amitié? Réponse de Laurent Berger. L'amitié, ça a un sens très fort pour moi. Et j'ai beaucoup d'amis qui m'ont écrit hier. Voilà. Mais pas le président de la République.
C'est de l'amitié vache, ça. Comment t'as l'intérêt sacré ? On sait évidemment qu'ils ne s'aiment pas. Enfin, c'est pas la peine de faire semblant. Et encore qu'ils ne s'aiment pas, ce n'est pas le problème. Mais que Emmanuel Macron n'ait pas été maladroit en rajoutant, notamment quand il était en Chine, tous les deux, il y a une espèce de fossé, presque un fossé de classe, quelque chose de, qu'on ne peut pas réduire. On va voir si ça se passe mieux avec Marie-Lise Léon. On va voir si Emmanuel Macron a compris que globalement, même si la CFDT l'agace parfois en étant cramponné à la vieille réforme à points et en refusant le changement de l'âge de la retraite, ça peut se passer plus correctement avec Marie-Lise Léon. Là, c'est quelque chose. On dit, par moment, on aurait dit deux ados. Oui. Mais aussi parfois Laurent Berger. Parce qu'il réagit, hein, pas plus. Deux ados qui mesuraient leur masculinité. Voilà, leur masculinité, on dira. Et puis, il y a les rencontres avec un truc irrationnel. Ratées. Oui, il y a toujours des rencontres ratées. Mais on doit, normalement, quand on est dans cette fonction-là, se faire une raison et passer par-dessus.